Love. Oh shit. Oh là là. Tu vois, si on avait eu des froisseurs, ah bah ce serait pas mal. C'était top. Mais bon, c'est quelque chose que. À la longue, oui. Je sais plus si j'ai mis ça dans la liste. Mais si j'ai mis dans la liste. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas fait. Hello mes colorés, enfin je me pose pour pouvoir vous parler. Hier c'était vraiment le rush à la maison. J'ai commencé la journée par la marche rapide avec Eve. On a fait nos 10 000 pas, trop bien. Et après j'étais vraiment dans l'empressement parce que j'avais ma copine qui devait me faire des nattes. Donc voilà, votre go a une nouvelle tête pour peut-être 2 semaines. Je sais que les nattes, c'est difficile de garder plus longtemps. Donc les enfants sont allés chez leur marraine après. Du coup, on a passé la soirée rien qu'à deux avec monsieur, Netflix and chill. Et ce matin, je me dépêche parce que il est midi 16. Je sais plus si je vous ai dit quelle journée. On est vendredi 8, il est midi 16. Et à 13h30, je dois quitter la maison parce que j'ai énormément de choses à faire. Du coup, on va parler de l'organisation du mois de mars parce qu'on a commencé un nouveau mois. La première étape d'un monthly reset en général, c'est un bilan. Donc, parler du mois qui a précédé. En février, on va commencer déjà par YouTube. J'avais émis le désir de vous proposer 2 vidéos la semaine. Donc, j'ai implémenté cela en février. Donc, au lieu de 4 vidéos, on s'est retrouvé avec 8 vidéos. Ce qui, croyez-moi, c'est un travail acharné, je vous dis, de filmer, monter, publier 8 vidéos dans le mois quand on est maman de 3 jeunes enfants et qu'on a tout plein de choses à gérer. Bref, vous me connaissez, la vie en France. Il y a toujours 10 000 choses à faire. Sans compter qu'à côté, il y a les réseaux. Donc, il y a Instagram à alimenter. Non, non, c'était une folie, mais je suis contente d'avoir tenu bon parce que vous me le rendez bien. Certes, je n'ai pas encore atteint les 10 000 vues que j'aimerais atteindre, mais franchement, je me sens plus proche de vous. Financièrement, au mois de février, j'ai eu une collab. Je trouve que le début d'année a été très slow pour moi. Et ensuite, il y a eu la reprise des posts et stories Instagram. J'avais 5 réels quand même la semaine. Après la tempête qu'il y a eu, c'était difficile pour moi de revenir. Donc, j'avais pris pas mal de temps avant de me remettre à poster. Les réseaux, c'est bien, mais le plus important, c'est ma famille. Là, j'ai repris en février sur Instagram, donc c'est top. Au niveau de la pole dance, sur 4 semaines, j'ai pu aller 3 semaines. Moralement, c'était moyen parce qu'il y a eu pas mal de petits bobos. Par exemple, Noah, il s'est fêlé 2 côtes. On a pu aussi voir du monde en février. On a même invité les parents d'un pote à Naomi. Maintenant que c'est dit pour février, on va pouvoir organiser ensemble le mois de mars. Du coup, pour le travail, j'ai réécrit, maintenir 2 vidéos semaine sur YouTube. Ensuite, fais une action quotidienne pour Textured. J'ai lancé mon site en ligne de coaching capillaire, donc un accompagnement capillaire pour les enfants. Donc, je crée des routines. J'aide les parents à comprendre comment prendre soin des cheveux de leurs enfants, donc les cheveux texturés. Je me rends aussi au domicile des personnes pour faire des soins aux enfants, pré-ados, ados, voilà. J'aimerais vraiment, de manière quotidienne, faire quelque chose pour Textured et surtout d'activer le mode travail. Je suis à mon propre compte. Donc, quand je me lève le matin, que je puisse penser au fait que je vais au travail aussi comme les personnes qui sortent. Publier 3 reels la semaine, je me fixe l'objectif de revenir à 3 reels la semaine. Plus on va avancer, je verrai si je peux faire plus de reels en fait. Pour les finances, j'ai mis épargner en commençant pas 10 euros le mois. L'année dernière, si vous vous rappelez, je vous disais que moi, j'ai vraiment eu de très mauvaises habitudes avec les finances. Clairement, je ne regarde pas mon compte. Du coup, je me suis dit, commencez déjà par mettre 10 euros de côté le mois ou sinon, après, ça peut être 10 euros la semaine, mais on commence déjà sur 10 euros le mois. Je trouve que c'est important de fixer des objectifs réalistes. Au mieux, épargner ne serait-ce qu'un petit montant que ne rien épargner du tout, en fait. Deuxième objectif financier, c'est rembourser mes dettes.
comment vous dire que je me suis retrouvée dans une grosse galère parce que je n'ai pas fait attention à certains détails, naïvement, où j'ai eu vraiment des frais à payer. Donc bref, et troisième objectif, c'est de suivre mes dépenses. Donc j'aimerais vraiment être très très consciencieuse de ce que je fais. Il faut que je puisse vraiment savoir comment je vais allouer les fonds, en fait, à chaque dépense. Un homme endetté n'est pas un homme libre. Donc c'est important pour moi de suivre mes dépenses de près et de pouvoir devenir cette personne libre, en fait. Pour les développements personnels, je suis allée sur le fait de lire 2 pages minimum par jour. Je me suis rendu compte que les mois qui ont précédé, quand je faisais le planning de mon mois, l'organisation et tout, je disais lire un livre. Donc je me suis dit, tiens donc, ça fait plusieurs mois, je dis lire un livre. Et je n'arrive pas à lire le livre. C'est que l'objectif n'est pas réalisable pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, au lieu de me dire lire un livre, je vais aller sur le fait de lire 2 pages. Le livre du mois, ça sera celui-là. The Little Black Book of Success, Law of Leadership for Black Women. J'ai décidé de changer le type de livre que je lis et de partir vraiment sur un livre à mi-parcours entre le livre purement professionnel et développement personnel. Parce que là, il est question de leadership, la confiance en soi, la communication, les collaborations, le courage. Donc, ça rentre dans le développement personnel, mais ça me met quand même le pied dans le côté professionnel, puisque mon souci, c'est que, étant donné que je travaille à la maison, j'ai vraiment l'impression d'être femme au foyer malgré tout ce que je fais. Pourtant, je paye des taxes à Luxaf, donc j'ai une entreprise, bref, mais j'ai plus l'impression d'être femme au foyer qu'entrepreneur. Donc, en rentrant, en activant le mode girl boss, en lisant des livres qui parlent de la vie professionnelle et tout, ça va faire que mon quotidien et ma mentalité va être plus élevée vers une vie d'entreprise que juste la vie de maman, même si la vie de maman aussi c'est une entreprise. Mais je lui ai dit, ça me permettra d'être vraiment en mode compétitivité, entrepreneur, quoi, chef d'entreprise. Je retourne avec ce livre aussi que je vous ai présenté, Être mère sans s'oublier. J'ai bien commencé. Donc le deuxième objectif en termes de développement personnel, c'est améliorer mon langage corporel et ma confiance en moi. Comme je vous disais dans l'une de mes vidéos précédentes, je désire cette année aller à la conquête de la femme que je suis et que ça soit pas juste la maman ou l'épouse. Donc j'ai fait mon vision board et cette fois-ci j'ai fait un vision board purement féminité. Ça me permettra de me focaliser sur cet axe. Être féminine, c'est pas que le côté extérieur, se maquiller, porter des vêtements. La féminité, pour moi, je trouve que c'est une aura qu'on dégage. Si je me concentre plutôt sur ma manière d'être, ça me permettra de renouer avec ma féminité. Le prochain axe, c'est santé et self-care. Et le premier objectif, c'est de débuter une routine skincare. Je n'ai pas de routine skincare, je n'ai pas d'habitude, rien, vraiment que dalle pour prendre soin de ma peau. Donc j'ai commencé à regarder autour de moi et je me rends compte que j'ai pas mal de produits en fait. J'ai pas mal de produits que j'avais reçus ou que j'avais achetés et dont je me suis jamais servi. Donc là, ce mois, bah, je n'ai pas d'autre choix que de construire, d'établir cette routine et de me jeter à l'eau en fait, de tester et de voir comment est-ce que ma peau répond. Un autre objectif pour tout ce qui est santé et self-care, c'est manger léger le soir. Parce que j'ai remarqué que je grignote beaucoup le soir, je mange beaucoup le soir, même si c'est de manière entrecoupée. Je vais manger à 20h30, manger à 22h, manger avant de dormir, avoir un petit truc à côté du lit. Donc non, c'est vraiment le soir qui était mon souci. Troisième objectif, c'est reprendre ma routine sport, donc à savoir la marche rapide, le desk workout et la pole dance. Donc pour le mois de mars, c'est vraiment ce dans quoi je vais me lancer pour me reconnecter au sport. Et pour terminer, le dernier axe d'objectif, c'est famille et couple goal. Se faire un date au mois, rien que tous les deux. Ça me fera vraiment un grand bien de pouvoir se retrouver tous les deux, ne serait-ce qu'une fois dans le mois. Pas nécessairement sortir, pas nécessairement aller au restaurant et tout. Rien que tous les deux, on fait garder les enfants, un peu comme on l'a fait hier. Continuer les dates en famille. Donc, le mercredi, c'est vraiment famille, on fait des activités et tout. Voilà un peu pour mon mois de mars, comment est-ce que je prévois l'organiser. Et je suis impatiente qu'on se retrouve à la fin du mois ou début avril pour faire un point sur ces différents objectifs. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été super? Qu'est-ce que j'arrête? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre mois de mars? Comment est-ce que vous le voyez? Quel est le nouveau challenge que vous lancez? Quel est le nouveau livre que vous commencez à lire? Quelle est cette nouvelle activité que vous voulez faire? Bref, qu'est-ce que vous avez prévu pour le mois de mars? Dites-moi en commentaire. Si vous n'avez pas l'habitude d'organiser votre mois et que vous désirez commencer
à planifier votre mois et que vous ne savez vraiment pas comment le faire, ne vous inquiétez pas, j'ai créé pour vous donc un template Notion avec vraiment les différents objectifs principaux, dont les axes principaux pour organiser son mois. Je vous mets le template en barre d'infos. Donc vous cliquez dessus, vous n'aurez qu'à personnaliser pour vous en fait. Vous mettrez ce que vous voulez mettre là-dedans. Ça vous facilitera la tâche. Également, si vous souhaitez vous remettre à la lecture comme moi, j'ai créé un groupe de lecture sur Geneva. Je vous mets le lien en barre d'infos également. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu déserté ce groupe, mais je vais repartir là-dessus puisque je reprends avec la lecture. Si on est plusieurs à partager notre petit bout de page qui a été lu, notre petite lecture de la journée, je pense qu'on pourra se booster pour aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Geneva. Je vous mets tout en barre d'infos. Merci d'être là. Mercredi, dimanche. N'oubliez pas que je suis sur Instagram également, donc vous pouvez me suivre là-bas. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour l'amour, pour le soutien. Merci mes colorés de répondre au rendez-vous et d'être là. Ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, donc on va se retrouver le mercredi. Là, j'ai une petite faim. Je vais aller manger avant de sortir pour ne pas avoir à manger dehors. Voilà. Allez, je vous fais de très, 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 très gros bisous et on se dit à très vite.